c'est moi qui suis au bout d'un certain temps allée le chercher, parce que justement, il ne voulait pas qu'on épelle les mots. Il voulait qu'on apprenne les signes. Et chacun a un nom, signe, c'est-à-dire ton nom, tu t'appelles pas avec ton nom et ton prénom, mais quand un nom, signe, c'est-à-dire que en fait, c'est soit une particularité physique ou intellectuelle ou un truc comme ça. Par exemple, moi, mon nom, signe, c'est ça. C'est l'Oréo, parce que c'est le nom sincère. Mais c'est comme. Bien, le problème qu'il y a, c'est que. C'est bien, hein. Je me tais. Parce qu'il n'y a pas de relief. Bon, il y a des signes quand même. Simples. Alors le problème qu'il y a, c'est que la vidéo, mais t'as pas l'internet, t'as pas de présente les signes. Oui, mais ça, le problème, c'est d'avoir une certification à passer dans cette classe. Ils ne peuvent pas t'interroger sur autre chose. Non, mais si tu peux le faire, c'est bien, parce que c'est vraiment intéressant. Ah bah oui. Et puis en plus, les sources sont ravis, bah, c'est ce que je disais. Moi, j'ai appris dans le cadre de mon boulot, j'ai fait les impôts. Et alors, c'était marrant parce qu'on avait des rendez-vous. On avait rendez-vous d'une demi-heure en général. Alors pendant 10 minutes, ils leur expliquaient ce à quoi ils avaient droit au niveau fiscal. Et après, ils étaient heureux parce qu'ils parlaient de tout, de leur belle-mère, de leur chien, du chat. Mais continue tes explications. Oui, bah, je veux bien continuer les explications. Oui, donc, mais il faut le faire avec une association qui tienne debout. Alors en vidéo, je te dis, le seul problème avec les visio, c'est que t'as pas d'interaction. Il y a un rendez-vous pour l'avoir. Ils ont les journalistes. T'en as qui... Alors Chirac, c'était toujours ça. Ça, c'est les frites. J'ai envie d'en redécrire. Maintenant, il se fait un comme ça. Attention à vos gestes. Non, mais c'est ça, en fait. Pas grave. Non, mais je peux... Mais il y a beaucoup de... Ouais, chez nous, on a beaucoup de... Il y a quelqu'un qui... Moi, je l'ai fait. Un petit temps, voilà. Regardez bien. Et puis après, j'enlève le dessin. Et vous refaites. J'ai fait ça aussi. Ouais, mais toi, t'es une petite jeune, toi. Mais en réflexion. Réfléchis bien. Le but, reproduire le dessin mémorisé sans le voir. Là, il y en a 5. Je les ai comptés, moi, je ne les avais pas comptés. Enfin, bon, c'est plus grand que ça. Non. Oui, enfin bon, ça ne vient pas... Je ne suis pas dans les normes. Ce serait plutôt ça. 1, 2, 3, 4 et 5. Il y a bien les gars, il y en a un peu, il y a deux points dans le cercle. Là, je me souviens plus très bien. Là, je me souviens plus très bien. Plus en... Ah là, j'ai triché. Oh là, il a triché, il l'a vu par l'envers. C'est pas bien, regarde. C'est pas juste. Ah, tu t'en es sorti. Non, mais c'est pas mal quand même. À part le petit coup de triche à la fin, le reste, c'est pas mal. Ouais, c'est tout. Et j'avais pas compté les trucs. Au contraire, si j'ai compté ça, effectivement. Et ça renseigne sur quoi? La mémoire, la visée? La mémoire, la visée. C'est des dessins de mémoire. C'est des dessins de mémoire. Observation mémoire. Les heures appliquées, c'est ce qu'ils demandaient dans le concours. Parce qu'ils nous disent, vous devez pouvoir passer devant une boutique, quelqu'un, un endroit, et être capable de reproduire ensuite. Et... Bah, j'ai bien fait de ne pas choisir cette voie. Ça n'aurait dur, pas hein. Fonctionné. Et alors, je me souviens... C'est toi la vedette, hein? Bon, on s'est lâché. Et curieusement, je suis tombée sur faire une grosse colère. Ah ouais? Toi? Posture d'équilibre. Les pieds écartés un petit peu. Tu peux pousser un petit peu la chaise. Posture d'équilibre. On pose le poids du corps dans les pieds. On laisse descendre tranquille. On relâche le ventre et on laisse descendre. Pense aux pieds. Peut-être le poids du corps dans les pieds. Si c'est bien en bas, plante nos racines en bas.
Quand on est bien là, on fait polichinelle. On bouge la tête, on bouge les épaules, on bouge le dos, on bouge les jambes, avec l'idée d'aller faire le corps pour aller trouver tous les muscles. En douceur, en douceur. Ah oui, déjà, ça coince tout de suite, déjà. Et tu fais pour les épaules, tu veux pas ? Roule doucement les épaules. Apparemment, je veux des abdos, elle peut aussi à distance. Et tu veux, pour tes épaules, tu peux faire des choses comme ça. Comme quoi, à distance aussi. Est-ce que tu arrives ? Ouais. Tu arrives à bouger tes bras comme ça ? Et bien, tu fais ça, une fois dans un sens, dix fois dans l'autre. Voilà, donc on entre ici. Catherine, pas qu'on a fait ça. Vous avez dit bonjour à tout le monde, là, juste en bas, vous avez repéré les orteils, les tout le monde est là. Alors on a les vibrations. Si vous êtes sur le dos, vous avez la légitimité. Je suis détendue, le cerveau se les épaules se relâchent, et on lâche juste comme si ça peut chatouiller. Alors, on peut faire un article. Ouais, retourne quand tu veux, il a mes coordonnées. D'accord, bah je... Oh.
on l'a déjà Martine. Voilà. Bon, photo, toi. Ah, j'ai bien, quoi. J'ai conduit toute la nuit, j'étais trop long, et ça toujours moi. J'ai conduit toute la nuit jusqu'à en être ivre mort, de sortir de mon sommeil pour faire l'amour avec toi. J'ai pas eu le temps de partir à l'escale, peu importe où je vais chanter dans une scène. Je pense à toi quand le froid est cassé, personne ne m'a vu me voir comme tu le fais. Rien n'efface ce sentiment entre toi et moi. J'ai conduit toute la nuit, c'était trop long, et ce tout droit. J'ai conduit toute la nuit, jusqu'à en être ivre mort, pour sortir de mon sommeil, pour faire l'amour avec toi. J'ai pas eu, je restais encore, j'ai conduit toute la nuit. D'autres pays où ça nous met égal, nous profitons de notre accueil et d'un grand soir. Si vous n'aimez pas les noirs, alors on a le droit de ne pas aimer les blancs. J'ai en urgence envie de ressentir, vivre d'amour. Certaines personnes n'ont rien à voir sur ce qu'on fait. On a des rêves et des désirs sans sur ce qu'on pense. Nos regards permettent d'utiliser vos présences pour comprendre et savoir. Il n'y a pas de problème entre toi et moi et nous. Et vous aussi. Ensemble dans une chambre de sentiments d'amour, de tendresse et de tristesse. Certaines personnes peuvent voter aux élections présidentielles dans le ciel. À tous les respecter, nous vous respectons. Pas de tendresse et de vous m'aimez aussi. Manger un colombo, j'apporterai de la noix de coco. On pourrait voir un planteur qui viendra du fond du cœur. Quand tu viendras autour de le sol, on pourra parler en créole. Quand tu seras contre moi, tu entendras, tu comprendras mes sentiments, mes tourments, mes envies, mes ressentis. Devant l'océan, la traversée, les quêtes d'immigrants. Le silence et l'âme me parlent moins qu'avant. C'est que des histoires autrement. Ici la nuit me ramène à qui je suis. Cette force chaleur, le ciel se mêle à la poussière. Je commence à comprendre. Je connais ces terres, j'ai foulé ces pierres, je suis déjà venu, j'y ai vécu. Sensation franche, cette lumière blanche,
J'ai enfin trouvé la paix que j'ai cherchée. La route se démène vers l'horizon. Les bateaux les emportent tous les hommes. Ils vont bien trouver les bonnes couleurs où s'est échappé le soleil. Ici la nuit me ramène à qui je suis. Cette pudeur odeur, je me cherche dans une autre vie. Je commence à comprendre. Je connais ces terres, j'ai foulé ces pierres. Je suis déjà venu et j'y ai vécu. Sensation franche, cette lumière blanche. J'ai enfin trouvé la paix que j'ai cherchée. La route se démène vers l'horizon, les bateaux les emportent tous les hommes, où vont bien trouver les bonnes couleurs, où s'est échappé le soleil. Ici la nuit me retrouve où je les suis, cette pudeur odeur, je me cherche dans une autre vie, je commence à comprendre. Je connais ces terres, j'ai foulé ces pierres, je suis déjà venu et j'y ai vécu. Sensation franche, cette lumière blanche, j'ai enfin trouvé la paix que j'ai cherchée. Mesdames et messieurs, j'ai créé une nouvelle chanson pour Stéphane. Il aurait fallu qu'on se rassemble tous ensemble pour faire ton départ. Il semblerait que le temps puisse continuer à travers nous et qu'on n'en finisse pas. Comment pourrions-nous imaginer que tu es si loin et que tu nous oublies et que tu nous oublieras jamais, jamais et tout. Je l'aurais imaginé, inventé, réalisé, avoué cet adieu pour nous. J'aurais dû croire que tu allais revenir à tout jamais. Il aurait fallu qu'on se revoie sur le lieu où l'on s'est rencontré. Il aurait fallu qu'on fasse un dernier concert avant ton départ. Il aurait fallu que nous fassions à nouveau des rencontres. Cela pourrait continuer encore et toujours. Si tu reviendrais pour faire des répétitions, promets-moi de recommencer tout ça. J'ai pourtant espéré qu'un jour tu allais revenir. Tu es resté à des années-lumière. Donc ça nous a fait bizarre que tu sois parti du foyer. Donc il y avait longtemps que j'avais envie d'écrire une chanson pour toi. J'espère que ça te fera plaisir. Il aurait fallu qu'on se revoie sur le lieu où l'on s'est rencontré. Il aurait fallu qu'on fasse un dernier concert avant ton départ. Il aurait fallu que nous fassions à nouveau des rencontres. Cela pourrait continuer encore et toujours. Si tu reviens, promets-moi de recommencer tout ça. Réalisateur d'un documentaire, d'un long métrage documentaire d'environ entre 70 et 80 minutes. Il n'est pas tout à fait terminé.
Et il raconte l'histoire des Patalons. Problème. Donc à travers ce film, l'objectif c'est de montrer un petit peu comment fonctionne un foyer de vie, à la fois du côté des résidents et du côté des encadrants. Avec une chose importante, évidemment, l'objectif c'est aussi de montrer l'importance de la musique. Alors, quand on rentre dans le foyer des Tournesols, on est étonné parce qu'il y a quasiment toujours de la musique. Hein, du matin au soir, quasiment tous les résidents écoutent de la musique. Ou danse, par exemple, hein, c'est assez courant, assez commun. Vous avez aussi une particularité, c'est que Stéphane étant musicothérapeute, il a mis en place un atelier de musicothérapie, et à travers cet atelier, se sont révélées plusieurs personnalités, et toutes les personnes qui font partie de l'atelier. Alors, vous avez des photos, par exemple, qui présentent le groupe initial des Patalos, hein, le noyau dur, j'allais dire, que moi j'ai suivi pendant 6 années. Donc pendant 6 années, on a pu voir l'évolution de chacun des différentes personnes. Chaque personne a acquis, j'allais dire, des compétences, pas seulement musicales évidemment, mais aussi sociales par exemple, à travers ces différentes années et cette pratique de la musique. Ça leur a permis aussi de sortir un petit peu du monde du handicap pour aller dans le monde des valides, à travers des concerts notamment. Vous avez peut-être pu les voir lors des fêtes de la musique à Donne-Marie, que ce soit en 2018 ou en 2019, ils étaient là assez présents. 2020, c'était plus compliqué parce qu'il y avait le Covid, même si Joannelle donc, était sortie avec Stéphane et Claire. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que si Joannelle est sur l'affiche, en tête d'affiche, j'allais dire, c'est parce que lui, son évolution, elle est particulièrement spectaculaire. Vous avez vu, vous avez entendu tout à l'heure, il a écrit des chansons, c'est-à-dire qu'il a découvert grâce à la musicothérapie la rédaction de paroles. Donc les chansons, il les a écrites, alors des fois avec l'aide de Stéphane, des fois sans. Il est capable évidemment de les rédiger. Il peut aussi reprendre des chansons qui sont faites par d'autres, et puis ensuite justement chanter ces mots. C'est pour ça que le titre du film s'intitule ainsi, parce qu'il va exprimer des sentiments à travers les paroles de ses chansons. Et grâce aux paroles de ses chansons, grâce à son expression, ça lui a permis ensuite de pouvoir reprendre contact avec sa maman qu'il avait abandonnée 21 années plus tôt. Alors dans le film c'est 21 années, maintenant ça fait 22 ou 23 ans. Hein, et de reprendre contact avec lui. Donc toute l'histoire du film c'est ça, c'est est-ce qu'il va réussir à prendre contact. Alors vous avez un petit peu, je spoil pas la fin. Ouais. Et en même temps, donc, c'est cette histoire-là, cette évolution à la fois de l'ensemble des Patalos et de Joannelle en particulier. Alors, si je suis là aussi, c'est parce que j'ai une demande moi, à faire, c'est que c'est la production d'un documentaire, ça coûte relativement cher. Donc, c'est 6 ans de tournage, 1 an de montage, et j'ai encore besoin d'un petit peu de fonds pour pouvoir terminer ce documentaire. Donc j'ai lancé un financement participatif auquel évidemment vous êtes tous invités à participer, à contribuer. Voilà, c'est très facile, hein, vous allez sur Ulule, vous faites chanter ces mots, vous arrivez directement et vous avez la possibilité donc de participer au financement. Le financement il va servir à 3 choses essentiellement, à payer les droits d'auteur sans lesquels on ne peut pas diffuser dans un cinéma. Alors l'objectif c'est évidemment que le documentaire puisse passer au cinéma. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est ensuite l'étalonnage, c'est-à-dire avoir une couleur correcte de bout en bout du film. Et la troisième chose, c'est le mixage son, parce que le son, c'est largement aussi important que l'image dans un documentaire. Voilà, donc je vous invite tous et toutes à vous rapprocher si vous voulez voir des extraits aussi du film. Il y en a quelques-uns, il y en a 4-5, ça dure à chaque fois une vingtaine ou une trentaine de secondes, 1 minute maximum. Vous allez pouvoir vous rendre compte un petit peu de l'atmosphère du film. Voilà, je vous remercie. Avec Jojo, on accélère avec Jojo.